Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, berceau du Grand Prix d'Allemagne. C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie. Le départ ne va plus tarder à être donné. Avec la dernière génération de pneumatiques et le choix de 3 types de gommes par week-end, nous avons connu récemment des courses axées sur la stratégie. Et bien entendu, les essais libres, comme ceux auxquels nous allons assister, servent à préparer le terrain. Que pensez-vous du règlement actuel en matière de pneumatiques ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de truc. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Hockenheim, dans le cœur du stadium du circuit allemand, pour découvrir ensemble la présentation du tour de ce tracé que l'on connaît bien. 11e épreuve de la saison et au programme une grosse amélioration aérodynamique du train avant, ce qui me permet de retrouver une voiture tout aussi à l'aise en entrée de virage que la Renault l'année dernière, et c'est important pour la suite de cette troisième saison. On a évidemment deux grosses améliorations qui seront, si tout va bien, installées au Grand Prix de Belgique. La voiture devrait faire un bond immense en termes de performance, mais jusque-là, il y a encore deux épreuves à compléter. Après l'Allemagne, évidemment, il y aura la Hongrie. Petit point important pour ce Grand Prix, il y aura de la pluie au moment de la course. Une pluie forte est attendue. On va donc s'élancer lors de la Q1, Q2 et Q3 avec une voiture équipée pour la pluie. J'ose espérer ne pas être trop pénalisé sur la grille. On est évidemment dans cette séance d'essai libre avec un bloc moteur usé, un composant bien entamé. Il y aura sans doute d'ailleurs un quatrième moteur acheté d'ici la fin de la saison. On n'en est pas encore là. Mais sachez que avant la Belgique et l'Italie, je songe vraiment en Hongrie à acheter un. En tout cas à débloquer un bloc moteur supplémentaire. Great stuff. You pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Nos qualifications d'Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes sur la voie des stands où nous attendons que les feux passent au vert. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Les réglages pluie ont été adaptés sur la monoplace. On attaque la Q1 avec une voiture qui va être vraiment à l'aise dans le stadium. Mais est-ce qu'on va être en mesure de se battre devant ? On va découvrir ça tout de suite. Alors je sens une voiture aérodynamiquement, je vais y arriver, très très lourde, c'est vraiment pas agréable. Là j'ai un setup qui correspond absolument pas au circuit dans ces conditions. J'ai le train arrière qui est avec 10 d'aileron et le train avant avec 9, donc autant vous dire que c'est énormissime sur un circuit où le 2 et 3ème secteur sont quasiment que des lignes droites. Je suis un peu perplexe quant au résultat. Alors on va partir lors des trois séances, on peut tendre, hein, on ne va pas chercher à changer un petit peu la stratégie, puisque demain, en tout cas pour la course, ce sera full pneu pluie. Peut-être en intermédiaire à la fin. Enfin, c'est vrai que celui qui avait en début d'année une voiture capable de se défendre dans les conditions humides, il a fait de bons résultats. Alors déjà une pénalité de 5 places pour Pierre Gasly sur la Haas. Une pénalité qui occure depuis la première séance d'essai libre où il y a eu un souci. Alors j'ai un peu mis, je vais vous parler de ça aussi en Q2, mais j'ai un peu mis des éléments un peu moins neufs sur ma voiture, sachant qu'il y a la pluie. Et je vais peut-être même déjà, si la qualif ne se passe pas bien, changer de moteur à la fin de cette séance. Et regardez, une seconde 8 par rapport au Ferrari. On est en train de le payer très cher. Illustration des résultats de cette première séance qualificative du week-end. Les deux Ferrari devant avec des pneus différents. On sait désormais qu'une Ferrari roule une seconde moins vite avec des pneus médiums. Lucas Weber, troisième avec l'Alpha.
Et derrière, eh bien, on a des bonnes et des mauvaises surprises. Tout d'abord, les McLaren qui ont l'air d'être dans le coup, comme les Renault. Par contre, les deux Williams réussissent à passer en Q2. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on perd Devon Butler et Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont été incapables de signer un chrono. Alors, est-ce que c'est en vue des peut-être conditions météo de la course ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas la première fois que les voitures de pointe ont des soucis. On l'avait vécu avec Vettel en Angleterre. C'est parti pour la Q2. Je montre un petit peu l'état de la monoplace à l'entame de cette séance avec le moteur neuf qui équipe la voiture. Très très peu d'usure dans la monoplace. On a réadapté les bons éléments avant la qualif. C'est mon troisième moteur qui est monté pour cette séance et pour ce week-end. Donc on va voir, peut-être qu'on en rajoutera un pour plus tard. Et comme je vous le disais en Q1, donc les éléments qui gravitent autour du moteur à combustion interne, eux, sont bien plus usés. Leclerc, meilleur temps en 1.10, c'est logique. Je pourrais presque rentrer en 7 dans le stadium avec l'appui que je me paye. Alors attention, on était P10 à l'issue de la première séance. Est-ce qu'on va passer en Q3 ou est-ce qu'on va être éliminé ? Bon là, j'ai un peu loupé mon dernier enchaînement. On sort malgré tout pas si mal. You're in the top 10 now. Keep it up. On est 8 dixièmes derrière Leclerc, donc hop, un peu large, c'est pas si mal. L'issue de la deuxième séance est de nouveau une surprise avec la qualification Q3 de la Williams de George Russell avec devant lui Stroll et Gasly. Gasly qui aura donc 5 places de pénalité, ce qui permet donc à Albon de partir à la 10e place lors du Grand Prix. Par contre, une nouvelle fois, on perd Ferrari dans la deuxième séance avec Vettel qui ne passera pas. Leclerc restant le seul pilote en tête avec la possibilité de nous barrer la route avec les Racing Point également qui sont au même chrono identique, 1.11.192. Ça nous annonce une Q3 particulièrement disputée et on constate aussi que l'on ne souffre pas trop de nos setups. Avec 8 monoplaces différentes dans la Q3, c'est plus disputé que jamais sur ce circuit d'Hockenheim. On va donc voir si on peut barrer la route à Charles Leclerc. Ça va être difficile avec notre setup, mais les Racing Point peuvent être une surprise. On entame le tour, DRS ouvert. Ah, si je me retrouve derrière Leclerc et derrière les Racing Point, je serai déjà satisfait. Mais la surprise de cette Q3, c'est la présence d'une Williams, d'une Alfa Romeo, celle de Lucas Weber. C'est incroyable. Les deux Renault, les deux Racing Point sont passés, ce qui en font les deux seules équipes avec leurs deux monoplaces en Q3. Ferrari a perdu Vettel en Q2 et nous, on a perdu Hamilton et Butler également en Q1. Donc, c'est très, très surprenant. Meilleur tour de Valtteri Bottas. Effectivement, la Racing Point n'est pas tout de suite à mettre dans le garage. On peut espérer quelque chose de la part de ses pilotes. La preuve avec Lance Stroll sur la Mercedes qui est passé devant Bottas. Donc c'est très très serré. Après ça reste qu'un premier tour alors que là, hop, la trajectoire est plutôt discutable. Sergio Perez avec la deuxième Racing Point qui fait le meilleur temps. Et une nouvelle fois, on commet une faute dans cette Q3. On va laisser passer la Renault. Allez, ça repart. Et bien voilà, on s'est fait piéger dans le stadium. On a trop d'appui. Oui, d'ailleurs, on a fait surchauffer les pneus. Bien écoutez, on repart. Deuxième tour consécutif. Attention là, parce que c'est dangereux de se louper. On améliore notre premier partiel, meilleur temps pour Max Verstappen sur la Renault. Et ouais, attention à Verstappen aussi, hein, candidat à la pole position. Le passage de l'épingle, plutôt réussi. Avec l'appui qu'on se paye, ce serait dommage de ne pas avoir un beau passage dans les virages. Non, Charles Leclerc, 1.10.425, ça y est. La Ferrari se remet devant la Renault et Verstappen pourrait aller chercher une première ligne, hein, facilement. Face au Racing Point, Bottas tombé 8e. On a Pierre Gasly devant, mais Pierre va prendre 5 places. Oui, tout à l'heure, je disais qu'Albon était assuré de passer 10e.
Maintenant, si Pierre se met dans le top 5, il reste dans les 10 premiers. Après, ça va être dur, je pense, pour le pilote Toro Rosso de battre les Racing Point. Allez, on en termine. Et on se met 5e derrière Lucas Weber sur l'Alpha. Et je trouve que c'est parfaitement honorable. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. À en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi. Le circuit d'Hockenheim mesure 4,5 km et les 17 virages qui le composent vont devenir autant de challenges à relever dans ces conditions de piste humide. Si la très longue ligne droite qui débouche sur une épingle serrée facilite les dépassements, les pilotes vont devoir se méfier des freinages hors trajectoire à cet endroit s'ils veulent rester sur la piste. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Et si on commençait par parler de Valtteri Bottas? Ils ont décroché un beau podium lors de la dernière épreuve, mais sauront-ils renouveler cette performance ce week-end? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Charles Leclerc part en pole position. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Pérez, Hülkenberg, Lucas Weber et Stroll, Bottas, Russell, Albon et Lando Norris, Kubica, Vettel, Carlos Sainz et Gasly, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Magnussen et une Red Bull, Daniil Kvyat et Kimi Raikkonen, Hamilton et Devon Butler qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. La surprise pour vous, c'est que je ne pars pas à la position que j'ai obtenue à l'issue des qualifications. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai changé de moteur pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'une des Ferrari part à peu près au même niveau que moi. La deuxième, c'est que mon équipier peut-être aussi souffrir ce week-end. Et j'ai décidé simplement de sacrifier ce week-end du Grand Prix d'Allemagne. Pourquoi ? Parce que j'ai une confiance en la voiture qui n'a jamais été aussi importante sous la pluie. Et je crois, sincèrement, qu'avec un petit peu de réflexion, un peu de stratégie et de chance, s'il y a safety car, on peut toujours espérer, eh bien on peut revenir devant et Leclerc n'a pas forcément course gagnée non plus. Avec les Racing Point qui sont très performantes sous la pluie, ça gomme un petit peu la domination des Ferrari. On l'a expérimenté en France et on l'a expérimenté en Autriche. Bref, c'est le moment ou jamais d'ajouter un moteur à notre compteur. Et on attend encore 20 minutes de pluie forte du côté de Jeff. Ce que je peux vous dire, c'est que la piste est détrempée, que ça glisse beaucoup et que du coup, on est tous logés à la même enseigne. Et au départ, ici en Allemagne, il se passe toujours quelque chose. J'ose espérer ne pas vous avoir vendu trop de rêves. Verstappen qui va chercher Leclerc dans le premier droit, c'est parfaitement envisageable. Donc oui, on va peut-être perdre des points face à Leclerc, mais vu que Ferrari, notre équipier, sont tellement loin, ça peut être une loterie incroyable ce Grand Prix d'Allemagne. On va le découvrir ensemble. J'ai bon espoir. J'ai envie de me battre. Je veux passer rapidement les Haas qui sont devant parce que beaucoup de pilotes ont pris une pénalité. Vous l'avez vu, que ce soit les McLaren, les Red Bull, les Ferrari. Tout le monde a été gêné. C'est maintenant que ça se joue et je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand aujourd'hui dans ce Grand Prix d'Allemagne. Le départ du Grand Prix d'Allemagne est donné. On roule à Hockenheim. Départ compliqué pour trouver la motricité. On reste côte à côte avec Daniil Kvyat. Premier droit. On en profite déjà pour prendre l'intérieur. On double la Ferrari de Sébastien Vettel. Attention à Gasly qui vient refermer la porte sur nous. On est derrière Robert Kubica déjà. Et on est en train de prendre un envol absolument sensationnel. On est bloqué par la Williams, on choisit l'intérieur, peut-être pour gagner encore l'une ou l'autre place d'ici l'épingle, côte à côte avec Lando Norris, on touche le pilote britannique. Et c'est Kubica qu'on est allé toucher, on a George Russell qui est à côté de nous, est-ce qu'on peut prendre le dessus sur la Williams, il ressort mieux de l'épingle.
Excellent départ, on ne voit absolument rien du tout dans ce secteur. C'est chaud de tenir la voiture. Et on a pris un envol comme on le souhaitait déjà. On est dans les points. Gestion correcte de l'ERS. On continue d'attaquer et vous le voyez, on est dans le rythme. Hop là, attention au niveau de la répartition du freinage. C'est compliqué par rapport à la Williams de George Russell. On va conclure ce premier tour avec en tête la voiture de Leclerc. On prend l'extérieur sur Russell dans le stadium, c'est chaud. Et on est poussé évidemment au-delà des limites de la piste. C'est très compliqué de sortir de la trajectoire pour trouver de la motricité. Premier tour couvert avec donc Leclerc en tête devant Verstappen. Ensuite on retrouve je crois Bottas et Hülkenberg. L'Alpha de Lucas Weber qui avait été pénalisé et retombé dans le classement. Très bon premier secteur et là on fait parler effectivement nos réglages par rapport au puissant moteur Mercedes qui équipe la Williams. On voit un peu plus clair avec moins de panache de fumée. On manque de percuter George Russell. Et on est meilleur sur la relance avec la boîte que l'on a. On va se mettre à l'intérieur de la Williams. Oups, on lâche parce que là, ça aurait été dommage de casser le museau. Répartition de freinage sur la Williams est un petit peu meilleure. Nous, on a l'arrière qui essaie de se balader. C'est chaud, c'est particulièrement chaud ce départ. Alexander Albon qui est derrière nous, dixième. On plonge. Est-ce que Russell peut croiser ? Nice work, that brings you up a place. On est passé devant la Williams. On se retrouve derrière Valtteri Bottas sur la Racing Point. C'est donc bien Perez qui est en troisième position, autant pour moi. Deuxième tour couvert dans ce Grand Prix d'Allemagne. Et on a déjà fait bonne partie du travail. On est bon sur la puissance, on est bon sur... La consommation, le nouveau moteur fait effet et c'est tant mieux. On remettra le vieux bloc pour la Hongrie parce qu'on en a beaucoup moins besoin. Mais un moteur neuf avec les évolutions que l'on est en train de mettre en place pour Spa et pour Monza peuvent faire bondir le moteur Honda. Devant, c'est la grosse bagarre entre Stroll et Bottas, les anciens équipiers chez Mercedes qui s'expliquent. Alors qu'on est en train de nous dire que pour George Russell, la course semble compliquée au niveau de la gestion. J'ai loupé mes freins. Oh, j'ai complètement loupé mon freinage. Et j'ai taclé Bottas. Oh là 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 là. Ah, j'ai freiné au panneau trop tard. La voiture était inconduisible. Heureusement, je n'ai pas cassé ma voiture. Je ne pense pas avoir touché plus fortement que cela Bottas. Oh là là, le dépassement était très limite. Alors vous avez été plusieurs à me féliciter d'avoir laissé passer Perez l'an dernier au Mexique. Là, bon, bah, je suis passé. Il n'a pas été poussé hors circuit. J'ai juste fait un dive bomb involontaire. Donc on va rester devant Bottas. Stroll est à notre portée maintenant. Et on fait le meilleur troisième partiel de ce circuit. Bien voilà. On est chaud. Les pneus aussi. La Mercedes qui va tenter de se défendre. Mais on est bien, on est bien. On a le setup qu'il faut. Set the ERS mode to overtake. We have to push. Ouais, on va brûler un petit peu de carburant. La Mercedes qui assiste, on se touche. Oh là 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 là. Et il veut pas lâcher un Stroll. Il a raison. Belle bagarre en cours. Et à la motricité, avec le setup qu'on se paye, on va passer devant et on passe Lance Stroll, tout en dérive, superbe duel avec le Canadien, alors que devant on prend pas forcément beaucoup d'avantages, que ce soit pour les Renault, la Racing Point ou l'Alpha. 3 dixièmes de perdu dans cette bagarre, nouvelle entrée dans le stadium, quatrième tour. Inutile, mais je le précise quand même, pas de DRS dans ces conditions climatiques. Ce serait évidemment beaucoup trop dangereux. Et on fait pour l'instant
le travail nécessaire. On n'est pas titulaire du tour le plus rapide, mais je pense qu'on est un des pilotes les plus rapides sur ce circuit d'Hockenheim pour l'instant. Okay, you're in the top 10. C'est surtout dans le troisième secteur qu'on est rapide, puisqu'on a, je pense, un peu plus d'appui que les autres monoplaces autour de nous. Et on rejoint tout doucement, mais sûrement, les trois monoplaces devant nous, à savoir Perez, Hülkenberg et Lucas Weber, l'allemand, sur l'Alpha. Alors on va se calmer un petit peu. Au niveau de la consommation, j'ai pris de la marge parce que souvent je consomme un peu plus sous la pluie, mais là, je suis plus pénalisé par le poids de mon carburant. Ça peut aussi faire surchauffer le moteur. Attention, on garde évidemment tout cela à l'œil. 11% sur le train arrière, c'est pas mal, avec 5 tours couverts. L'usure ne devrait pas dépasser les 12%. Un petit peu de dérive, la freinée encore une fois très très tard devant ce secteur du virage Mercedes, avec la Mercedes Arena juste devant. Je rappelle qu'on est parti 16e dans ce Grand Prix d'Allemagne. On fait un début de course vraiment, vraiment solide. Finalement, le call de changer de moteur n'est pas si pénalisant que ça. Après, peut-être qu'on serait en lutte avec Leclerc à ce stade-ci du Grand Prix. Okay, battery's looking good. You can use overtake to get past. Alors, est-ce qu'on va aller chercher le meilleur tour? Non, mais toujours le meilleur troisième secteur. Ça ne change pas. On a de nouveau les gerbes d'eau qui viennent nous cacher la vue. En deuxième, dans ce segment particulier. Hein. Ah, on va rester ensemble, je pense, pendant quasiment tout le Grand Prix. Il n'y aura pas beaucoup de coupures parce qu'il y a de la bagarre depuis l'extinction des feux à l'aspiration. Sur Lucas Weber, en mesure peut-être d'aller doubler du... Ah, Lucas Weber peut-être son adversaire direct, hein. La Williams Hülkenberg. Oh là, on est repassé au neutre. Belle faute. Voilà, ça c'est ce qui arrive. On ne voit pas son volant. J'ai rétrogradé une vitesse de trop. C'est pas la première fois que ça m'arrive cette saison. L'intensité de la pluie ne semble pas évoluer, en bien ou en mal. On a des conditions identiques à celles du départ. Un peu large là, Lucas. Lucas Weber qui n'est pas le plus compliqué à dépasser, hein, franchement, par rapport à Devon Butler. Stroll toujours 7ème, mais relégué un petit peu plus loin. 8ème position pour la Ferrari de Sébastien Vettel, qui a pris également un excellent départ. Lui aussi parti bien plus loin après avoir été éliminé en Q2. Et elles tiennent le rythme, hein, les voitures devant. On voit même Perez filer. Freinage tardif, j'ai voulu ne pas bloquer mes roues. On s'en sort bien, meilleur premier partiel. Allez, l'aspiration de l'Alpha va nous aider peut-être à aller faire un bon deuxième secteur également. On protège du côté de la Renault, c'est très compliqué. On manque de percuter Lucas Weber. Oh là 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 là, les deux là qui s'expliquent. La Renault qui a un problème à mon avis. C'est pas top là pour Hülkenberg cette sortie de virage. On est à l'affût éventuellement d'une faute de l'un ou l'autre. Sur Lucas, on l'a touché. On accélère sur le vibreur, on perd un peu de motricité. Est-ce qu'on a abîmé la voiture? Non, ça va. Et on est toujours bloqué en 6ème position. Après avoir entamé notre grande remontée. Ah oui, on perd le bénéfice du premier partiel dans le second. Yes, ça glisse bien là, hein. On le sent. Allez, par rapport à l'Alpha. On sort mieux à l'extérieur par rapport à Lucas Weber. Et l'Alpha qui lâche. L'Alpha qui a lâché. On s'empare de la quatrième, la cinquième position, quatrième Hülkenberg.
Et la Renault qui n'est pas véritablement à l'aise en sortie de virage, en tout cas à la relance après l'épingle. Hop, on a dû donner un coup de frein. Ouh. Oh, il m'a fait une belle frayeur là. Hülkenberg qui nous a piégé. The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Grosse frayeur face à Hülkenberg. Alors c'est pas volontaire, hein, c'est juste que la Renault là, il a dû soulager pour passer le droit. Et je m'y attendais pas. Pour le même prix, ça finissait dans le mur. Hein. D'avance sur Hamilton, je sais même pas où il est Lewis après un début de course comme celui-ci. Voilà Renault là qui nous bloque hein, véritablement. Allez à l'intérieur. Ah, on a l'impression de revoir clair une fois que on passe une voiture. Bonne vitesse de pointe de la part d'Hulk. Hop, j'ai glissé, je pourrais pas croiser. Attention à ne pas se faire surprendre comme au tour précédent. On n'aura pas deux fois la même chance à l'extérieur. On insiste. Ça passe pas. À peine résistance de la part du pilote allemand à la maison. Où en est Leclerc? Parce que là je le vois, mais ouais ça va, Leclerc est loin. Je pense qu'on va encore perdre des points par rapport au monégasque. Il faudrait un tour clair aussi pour essayer d'aller chercher le fast slap. Et regardez en ligne droite, en fait on revient sur Hulk. Et une fois qu'il y a un virage, on n'a pas ce qu'il faut. Là, on est bien. Là, on est très, très bien. Le pilote Renault qui va protéger à l'intérieur. On va assister. Quelle défense de la part du pilote allemand. Cette fois-ci, ça peut passer. Avec l'aspiration, il faut qu'il nous laisse la place. Allez, à l'intérieur, la motricité de la Red Bull va faire la différence. Le châssis qui ne nous lâche pas, et Hülkenberg aussi. On passe en quatrième position, quel duel avec l'Allemand. Quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. Il peut revenir, mais maintenant, on continue, on bombarde. Mélange 3. Niveau déploiement pardon de l'ERS sur 3, toujours en mélange riche. Pérez va-t-il être une nouvelle fois notre bête noire? Leclerc est out in front. Ouais, Leclerc est loin. Et on a le meilleur tour. Tout en dépassant Hülkenberg, comme quoi on ne l'avait absolument pas cherché. On est désormais titulaire du tour le plus rapide et c'est vraiment une belle mise en confiance. Imaginez, on va gagner ce Grand Prix, ce serait absolument fou. On a une meilleure relance, on a une bien meilleure relance que Pérez. On ne peut pas faire la même que sur Hülkenberg tout à l'heure. Ça marche moins bien avec le moteur Mercedes qu'avec le bloc français. Imaginez si on n'avait pas pris de pénalité. Mais il fallait la prendre de toute façon, maintenant ou à un autre moment. On a toujours le risque d'une safety car hein, dans ce Grand Prix. Pas d'abandon. Alors qu'on nous dit que le grip devrait encore être avec nous. Sur ce train de pneus, c'est bon, on va en avoir besoin. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Attention, drapeau jaune, un problème semble-t-il derrière. Peut-être le premier abandon au moment où je disais qu'on était tranquille.
Une voiture au ralenti peut-être, ce doit être une Renault. Some information on Hülkenberg, they are out of the race. Eh ouais, Nico Hülkenberg qui abandonne maintenant dans le stadium. Premier abandon de ce Grand Prix d'Allemagne. Alors où est-il arrêté Hulk? Peut-être avant les stands, dans ce cas-là ce ne sera pas une safety car. Oh là là, j'aurais tellement aimé un pace car pour revenir sur Leclerc, resserrer tout le monde à 5 tours de la fin. Ça aurait pu être beau. Allez, on assiste, premier partiel, pas si mauvais que ça. La vitesse de pointe de Perez est toujours... Mais regardez l'écart entre les deux premiers. Et ensuite Perez. Et du coup, on a une Alpha qui est cinquième, hein. Lucas Weber, là, est en train de faire la course de sa saison. Lui qui est venu remplacer Giovinazzi. Ce qui a laissé d'ailleurs la place à Gasly chez Haas. On est bien, on est très, très bien par rapport à Perez. Un peu large ici, mais ça n'est pas fondamentalement grave. On est retenu par Perez d'une force incroyable. Yellow flag. Et c'est terminé, on a évacué la voiture d'Hulk. Pas ce qui s'est passé, vous le verrez en insert de toute manière. Sans doute casse moteur pour la Renault. Que la face à Perez. On est bien ressorti du dernier virage. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On insiste. Perez qui va évidemment fermer dans sa sportivité légendaire. There's five laps of fuel remaining. On est bien au niveau du carburant. Je pense pas qu'on puisse aller chercher Verstappen, hein. Il est trop loin Max. Par contre, si on fait un podium, ce sera beaucoup de regrets par rapport à notre pénalité, mais on sait qu'on a une voiture qui peut faire mieux sous la pluie que n'importe quelle autre. Bon, après, si Hamilton ne travaille pas, c'est pas non plus notre faute. Alors qu'on a vu Lucas Weber, je pense, en difficulté, puisque Vettel est passé devant l'Alpha. Et Devon Butler aussi, avec la Mercedes. Il avait l'air de naviguer dans l'autre bout du circuit, là, sur la minimap, brièvement, alors qu'on est sur Perez. On ouvre la porte et on passe. On passe le Mexicain. Et ben voilà. Nice move. Good job. Ouais, c'est pas terminé quand même, là, parce que pour le même prix, the gap to the car ahead is 7.4 seconds. 7 secondes en 3 tours. Is 14.0 seconds. Même avec toute la volonté du monde. Aller chercher Verstappen, totalement impossible. On va perdre 9 points sur Leclerc. Pas si mal que ça, puisqu'on a le meilleur tour en course, donc on n'en perd pas 10. 25 pour lui, 18 pour Verstappen. Alors après, si Verstappen va le chercher, c'est une autre histoire. Mais là, il n'est pas du tout capable, alors que nous, on a toujours sur le paletot l'ami Perez. Notre sidekick légendaire dans cette carrière. On va pas vous mentir que là, je galère un petit peu avec la voiture. Les pneus commencent à vraiment avoir souffert. Ouais, 25%, 30% même à l'arrière. Regardez, on a vu... Ouh ! La Ferrari de l'autre côté du stadium. Est-ce qu'on va se faire doubler par Perez ? Oui ! Oh là 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 là, côte à côte, roue contre roue avec le Mexicain. Oh là 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 là, c'est chaud. Et Leclerc nous reprend le meilleur tour. Alors ça, c'est pas bon du tout. On ne perd plus 9, mais 11 points sur le Monégasque. Et attention également derrière à ce qui se passe, puisqu'on a une Ferrari qui est revenue. Il est loin d'être terminé, ce Grand Prix d'Allemagne. On a Vettel et Weber qui sont désormais revenus derrière Perez. Notre petite chamaillerie nous a coûté peut-être... la garantie de notre position. Est-ce que j'ai encore des ressources dans la voiture pour me défendre là? Parce que... Ouais, au niveau du carburant ça va. Au niveau de l'ERS, c'est pas folichon, folichon. Par contre, si Vettel va chercher Perez au championnat, c'est pas non plus la bonne nouvelle pour nous.
Regardez, la stratégie était pas si folle que ça, parce que Vettel, qui était parti quasiment au même niveau que nous, il est remonté, donc c'est juste que les voitures sont bonnes. Ouais, 3 tours de carburant, ça va le faire, je pense. Par contre, Leclerc qui vient nous chercher le meilleur tour à 2 boucles de la fin. C'est pas une agression, mais pas loin. Et la fiabilité qui a encore fait une victime en la personne d'Hülkenberg. Ah là, par contre, si Leclerc abandonne là au championnat, ça devient de la folie. Hein. Imaginez, Leclerc s'arrête maintenant. Vettel et moi, là, on fait le coup du siècle. On n'a plus de gomme, c'est terminé. On a tout donné dans ce Grand Prix d'Allemagne. Il va rester de très longs tours à parcourir aujourd'hui. Avec peut-être au bout un podium qui sera somptueux, partant 16e. On a refait notre retard, on a doublé tout le monde, un par un. On s'est occupé de nos adversaires. Et attention, parce qu'au niveau de... ouais. Au niveau du carburant, à demi-tour de marge, je pense que c'est largement suffisant pour ne pas passer en mode safe, en mode économie à la fin du Grand Prix. Alors, m'en voulez pas les enfants, mais là, de ce que je viens de lire, on est en train de faire le meilleur premier partiel. Est-ce qu'on est capable d'aller reprendre le point à Leclerc? Un petit peu de, ouais, de temps de perdu là dans l'épingle, ouais, c'est pas la meilleure relance. Avec le RS sur 4 en plus, là. Un premier segment rapide. Jeff, je suis en train d'aller chercher un point important, là. Techniquement, on peut dire 2 points parce que je l'enlève en plus à Leclerc, donc... on a vu que les points étaient très très chers en ce milieu de saison. On a fait un bon deuxième partiel, mais pas exceptionnel. Est-ce qu'on le reprend à Leclerc? Oui! Et dans la table de ce dernier tour de course, on est devant. Et on tourne une seconde plus vite que Perez. Est-ce qu'on peut crucifier Leclerc peut-être pour... les derniers espoirs du pilote monégasque en faisant un bon premier partiel? C'est mort, 2 dixièmes. C'est mort. C'est mort, on a 2 dixièmes de retard. On va économiser un petit peu la mécanique. 35%. On a la garantie de faire un podium ici en Allemagne, partant 16e. Incroyable performance, je pense, de la part du châssis et du moteur Red Bull. Rendez-vous compte, il nous reste la Hongrie avant de profiter d'une monoplace encore plus performante. Ce sera en Belgique et on sait que le châssis Red Bull s'exprime particulièrement bien dans les dernières courses de la saison. Le titre n'est pas joué face au Ferrari, loin de là. Le chemin est encore long. La performance du jour sans doute pour Lucas Weber, hein, qui va aller mettre 2 gros points avec l'Alpha. Et nouveau succès, encore un cette année pour le monégasque Charles Leclerc qui impose la Ferrari. Deuxième position pour Verstappen, il vient de franchir la ligne. On va être sur la 3e marche de ce podium devant Perez. Quel Grand Prix d'Allemagne on aura mené. Ah, on peut être content et fier de nous. Thank you for all your hard work out there. That was a strong drive and a good finish. Well done. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard. Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à avoir le dessus. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui.
Les résultats de ce Grand Prix d'Allemagne absolument fous avec la victoire attendue de Leclerc devant Verstappen. On remonte de la 16e place pour obtenir le 3e rang final comme Vettel, parti 12e et Lewis Hamilton, parti 19e. Là, on fait quand même très très fort chez Red Bull et Ferrari, on sauve plus que les meubles. Les résultats sont très bons pour Williams avec George Russell qui met le point de la 10e place ainsi que l'Alpha de Lucas Weber qui fait également une bonne performance. Derrière, les McLaren toujours à la peine et l'abandon de Nico Hülkenberg, on l'a vu. Au classement général, Charles Leclerc est donc de nouveau titulaire de 14 points d'avance. Donc on n'a pas perdu tant de points que cela. On aurait pu en perdre beaucoup plus si jamais on avait laissé filer le meilleur tour au pilote Ferrari. Sergio Perez remonte devant son équipier et ce qui ne change pas du tout la face du haut du classement. Au niveau constructeur, seul Alfa Romeo et Williams bougent un petit peu. Alors Williams perd une place mais passe devant Haas avec le point aujourd'hui de George Russell, pardon. Donc Alpha, 6e force du plateau. Faut pas oublier qu'Alpha est quand même 5-6e au niveau du développement devant Mercedes. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Alors, dans une période où il est important d'avoir de gros points aérodynamiques, puisqu'on va passer sur des circuits où il y a besoin d'appui, tels que la Hongrie, Spa ou Monza, je pense qu'on peut travailler sur une amélioration au niveau aéro. Et on ne peut pas en améliorer deux, parce qu'évidemment, on n'a plus les avantages qu'on avait avant. Mais il nous reste 1260 points. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose qu'on peut se payer? On a toujours cette petite amélioration au niveau du châssis qui coûte 800 points, qui est intéressante, 1400 également. Du côté moteur, on a également une amélioration en cours. Donc, je pense pas qu'on puisse mettre en route deux améliorations. Je vais essayer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Eh non, évidemment, c'est un élément à améliorer à chaque fois. Donc, au niveau des points de longévité, peut-être que le MGU-H et le MGU-K sont assez intéressants. Donc, je vais d'abord travailler sur la fiabilité de la boîte de vitesse qui va me coûter 800 points peut-être. Ou est-ce qu'on a des trucs moins chers? Donc, tout est à 768 points. Bah, écoutez, on va garder peut-être nos points. Pour travailler autre chose que la fiabilité. On aura un petit bonus aéro du côté de la Hongrie, mais pour le reste, eh bien, je vais garder ces points, tout simplement, je ne vais pas les user. Donc pour la Hongrie, on aura une petite amélioration aéro, ce qui n'est pas négligeable, hein, puisque bon, c'est le train avant. On mettra une amélioration de l'aileron arrière qui durera aussi pour une semaine après la Hongrie pour la Belgique. Je pense qu'en Belgique, on va avoir un monstre, tout simplement. Si on regarde les performances, regardez, quand tout sera installé en Belgique, on va potentiellement reprendre la deuxième place de la R&D. Tout le monde a le moral positif, que ce soit longévité ou le reste. On a gâché un moteur, mais on n'a pas gâché tant de points que cela. Donc j'espère que ce sera worse sur la suite. Regardez, quand je parlais d'Alfa Romeo, qui est 5e force du plateau, je vous ai pas menti, ils sont coude à coude avec Mercedes. Donc on fera le point en Hongrie, évidemment. Si on fait un historique de la progression, on a toujours donc, deux victoires qu'on a obtenues en Autriche et en Angleterre. Mais je pense que pour la Belgique, on va se rapprocher de la Scuderia. Et on va pouvoir vraiment se battre jusqu'au bout pour le titre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce superbe Grand Prix d'Allemagne. J'ai pris beaucoup de plaisir à me battre. C'était délicat de ne pas toucher les autres voitures et de remonter petit à petit. J'ai vraiment kiffé. Piloter s'est passé assez vite. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Ce sera donc en Hongrie sur le Hungaroring. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer. Et à la prochaine. Salut !